Dans Demain nous appartient, Salomé Bénite incarne depuis plusieurs semaines Violette, une adolescente en pleine crise existentielle. Mais saviez-vous que la jeune comédienne a déjà joué dans un film avec Keanu Reeves? Ce vendredi 11 août sur TF1, dans Demain nous appartient, le personnage de Violette, interprété par Salomé Bénite, se retrouve en pleine tourmente. Son père Didier a été arrêté, sa mère Angélique, Laetitia Milo, est interrogée par la police, et la jeune fille ne sait plus qui elle est et à qui elle peut faire confiance. Elle pourra toutefois compter sur Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, Raphaël Volkoff, afin de traverser ces terribles épreuves. Demain nous appartient, ce qui attend Violette après avoir découvert que son père a été arrêté pour avoir tué plusieurs personnes, Violette s'est sentie perdue et a même songé à se suicider. Elle a ainsi été hospitalisée. À l'hôpital, Angélique demande à Roxane et Sarah de quitter la maison avant que Violette ne rentre pour se reposer. Plus tard, Béatrice se réveille à l'hôpital auprès de Sarah. Visiblement paniquée, elle prononce le nom de Violette avant de perdre conscience à nouveau. Seule à la villa, Angélique s'agenouille auprès d'un arbre devant une pierre tombale où est inscrit Violette 2006-2009. Qui est donc l'adolescente vivant avec les rénaux tandis que la véritable Violette semble décédée depuis longtemps? La jeune fille risque bien de rentrer en conflit avec sa mère. Pourrait-elle prendre la fuite? Salomé Bénite, Violette dans DNA, a joué dans un film avec Keanu Reeves. Salomé Bénite, l'interprète de Violette, compte déjà plusieurs films à sa carrière naissante. Ainsi, en 2021, elle est apparue dans le long métrage John Wick 4 porté par l'acteur canadien Keanu Reeves. En France, ce film est sorti dans les salles obscures en mars 2023, il s'agit du quatrième volet d'une saga lancée en 2014 et construite autour du personnage de John Wick, un ancien tueur à gages repenti. Salomé Bénite a également joué dans Jackpot en 2022. Par ailleurs, la jeune actrice fait une apparition dans le clip Après vous Madame de Gims et Soul King. Love.